Mbote na bino lisusu bandeko batali arrête kilumbu shembo TV na télémission na pisa bino bambote bokoto koto bomi abolende bokota ka toujours pse to zanga kate ko pesa bino bambote na biso. To pese pe na nzambe merci o a télémission biso na ngonga oyo. A télémission biso na ngonga oyo to lamuki to sali nyoso to kayi to saba pe balali nzambe akosala te alamu sabino. Merci merci mingi. Ba découvre maman rete kota o découvre ngai na za masola ko lamba bi histoire vraie balité a ptp ezala kanango. OK li sole za mingi tepeza mulaite bande ko bolandi bi moko na télévision na ba news ndenge news ezo kene mikolo yo tozo sala analyse ya député national na biso Alphonse Ngoyi Kasanje de bomona ki ba ya mwasi ba ki ko bimise na ndaku abimisi biloko nyonso na ndako babingani na ndako balobi te ndako wana ezalaki ndako na ete bilo moboyebi bamouvancien na biso bapolitisien na biso ya kongoni baza miyibi me tomoni siko droit eye makambo ekomosala nango na kongo makambo ekomosala nango kitoko nani Etienne Tshisekedi akomi kokanaka bamiyibi wana nyonso botelaki ya kamera asukaki wapi na prison lelo tokomi na ye Alphonse Ngoyi Kalonji soki Kalonji Kalonji ko meko tukomba ngopo na zoko na zoko za soki Kasanji soki Kasanji na banzi ndere baki ko bimise na ndaku bak ba kota ki ba bimisi biloko nyoso ba bifat na ndaku wana ati ka ndaku wana isaya yete po makambo ko musama na Kongo ya solo te ya ba ya mwasi meto mwana ki na kacho na mwana na ye ya mwasi a telemaki ola fani samnoko kimia a telemaki bandi ko finga mama presidente ya mboka mwasia ane ya Etienne Tshisekedi ndenga leke kitoko ndenge pa mama presidente ba nyoso balandaka nyoso bazaka toujours suivi ya ba news ya Congo ya mboka na sopo toza ba congolais il faut tozalaka toyebaka kulanda news ya mboka na biso news ya mboka na biso ba ya mwasi bon mwana ki ndenge mwana mwasi a fongola ki munoko la kisike yenda ebi kofinga ye azabel ndenge ya leki mwasa ya Etienne Tshisekedi notre président asa kitoko mais soki na tali comparaison entre mwasi yango pe na mwasi ya Tshisekedi okomona ke mwasi yango pe azane pe mwasi ya Tshisekedi aleki ye asala ki eloko mabe alingaka kofinga mwasi ya Tshisekedi te mwasi ya Tshisekedi ndati na itata na ete akende koyiba koyiba biloko ya Congo ndako ya Congo babimisaki ye batebele batelemelaki yango mpe basepelaki bazali me ebele mpe batelemelaki yango baya mwasi ebele mpe batelemelaki likambo wana mpona nini yakoki kofinga mama presidente mwasi ya Tshisekedi pourkui akoki kofinga ye mwasi yana azongelaki susu deuxième fois akesu aye kosenga pardon bakomeli ye lettre ndenge akosenga pardon mosu alobi na munoko mosu bakomeli ye ayesu kosenga pardon toza mpe na baoyo bafana oyo balingaka te bafinga baoyo batali mboka na biso bokomona mpe mobali moko azali wana aza kosilika pourkui mwasi wana akoki kofinga mama présidence Denise asalini bandeko ata boyinaka bato okoyina mwasi abutu il faut to respecta kame bamama okoboko yoka mobala na ndenge akoloba alobi akotika ye ntako na nde tina suka baya mwasi tokodiskite na commentaire bolobi nini mpona acte mwasi wana asalaki me tomona ye kosenga pardon bondimi pardon wana to bondimi pardon wana te bakomelaki na papier mosusu mpe aye asengi pardon azoloba mosu azotanga na papier bolobi nini baya mwasi baya no mobali mpona analyse oyo news ya Congo yango wana likomi tokosala ba analyse ko bolobi nini bolobi nini. OK nazala mingi ntako banazokotisa bino régi ndenge ezali makambo ndenge lekaki bokomona ndenge bakoti na ndaku ya Alphonse Ngoyi soki Kalonji soki nani ndenge bazokota bazo ya député national na biso nde bazobimisa biloko bokomona ndenge fiyo nazofinga soki fi pe mama je ne sais pas tant soki akosa mokolo ya Denise ndenge
Azo finga, mama présidente na biso, na sima nango, ma yele yele ye, bat pato ko pese conseil, ake isko ko senga lisusu, bolimbisi. Ake ko senga bolimbisi, na papier bako mela kie, na koloba, boko mwane ko senga bolimbisi, pe boko mwana mobali aza kontre. Ako loba maka wama ben, denge mwana wala, ne babi makala papa na ye, ne, ya ko kiko finga te, papa ne defaka loba, ya linga koloba te. Ok, rejimo ko tila biso sikoyo, masolo ndenge za kokota na kolonda boko mone pendenga zo sola pona bakamanda ko ndenga somba kango ye alobiki asomba kanda ko wana soki nde boko yoka nyuso na kati ya masolo toleka tolanda news na pse soki nyina kongo mikoloyo ale reji kotsela biso ndenge bakoti na ndaku ya Alphonse Kalonji ndan député na biso Alphonse Kalonjana ndenge bazo bimisa biloko Boko tsepso pendenge mwasa na zo finga mwana na ya mwasi. Boko tsepso pendenge pe. Bazali. Kolonda kwa zolo ba. Polanda kunaye. Ale tole ka boko tisa. Merci beaucoup. C'est du bon boulot. Il faut continuer comme ça. Ils ont vidé. Ah, apparemment, jacuzzi. Ah, vraiment. Nous avons suivi tout cela que vous venez de remporter une grande victoire. Vous avez récupéré vos biens auprès de M. Ngolka Sanje. Expliquez-nous d'abord comment ça a commencé la chose. Non, Ngolka Sanje venait acheter les biens qui m'appartenaient.
depuis 1996, mais bien porte la marque de la République du Zaïre, n'est-ce pas? Mais quand j'étais en prison, nous étions en conflit avec une banque à la Cour de cassation. Et la banque, malignement, a trouvé des clients israéliens. Et ces clients maintenant ont acheté, et puis ceux qui ont vendu en Ouekassans. On a morcelé ma résidence au bord du fleuve là-bas, vers le quartier des ambassadeurs. Le gouverneur de la Banque centrale a acheté un côté et Ngweka Sanji a acheté l'autre côté. Mais c'était une seule parcelle à la Gombe. Maintenant, moi j'ai fait 3 ans et 6 mois en prison. Quand je suis sorti, le dossier était toujours pendant devant les cours de tribunaux, à la Cour suprême. Mais le 18, le 23 mai de l'année passée, Félix Tshisekedi n'était pas président, n'avait même pas ses ambitions. Et du coup, la Cour s'est prononcée, on nous a restitué les biens. On m'a restitué tous ces biens, les 4 immeubles. J'ai commencé à faire des démarches pour retourner là où moi j'habitais. J'ai trouvé Ngweka Sanji là-bas. Je suis chez moi. Il a placé 10 policiers à la porte pour que je ne puisse pas entrer. Légaliste, je suis venu, je suis retourné. Tout ça, on a fait des démarches. Le ministre des Affaires faussées qui signe un document à ma faveur. Dès 10 jours après, on les voit. Il contresigne, il signe une autre lettre. Il a fait comme ça 3 ministres. Ils n'étaient pas capables de me restituer. Mais le nouveau ministre qui est arrivé, il a lu les dossiers, un bon juriste. Il a compris qu'on a escroqué ces messieurs. Ces maisons, ils ont violé l'article. Lui, il a poursuivi. Il est le dépositaire, hein? C'est lui le patron des codes fonciers. Quand vous violez ça, le ministre des Affaires foncières ne peut pas vous laisser. Et il a vu qu'ils ont violé l'article 231 de la loi foncière qui dit que le jugement obtenu ou l'arrêt de la Cour d'appel qui n'a pas acquis l'autorité de se juger, le conservateur ne peut pas établir un certificat à la personne qui a acheté. Il faut qu'on lui présente un arrêt de la Cour de cassation. Maintenant, il n'avait pas des arrêts parce que nous avions un arrêt. Mais le ministre a dit qu'on doit annuler ce certificat obtenu par Ngweka Sanji par fraude. Hein? Maintenant, lui, au lieu de mourir lui-même, il attaque Kamere, il attaque le président Félix, mais averti de quoi? J'ai une lettre de Kamere qui m'avait écrit, c'est qu'il faut aller en justice. Kamere ne m'avait pas demandé d'aller récupérer, mais je dis, il faut aller en justice. Et la justice a tranché. Comment il peut faire tuer ces 2 messieurs pour rien comme ça, qui sont des innocents? Est-ce que c'est sérieux? Il n'a qu'à s'attaquer à la personne qui avait vendu les maisons, mais c'est qu'elle est. Et non à moi, non à Kamere, non au président de la République, Félix, le président Eli. Voilà Ngweka Sanji joue de la bassesse. Et il a prêté seulement, il dit qu'il est juriste. Il n'a qu'à lire l'article 231 de la loi foncière. Comme ça, si j'ai tort, qu'il vienne dire, qu'il nous appelle, qu'il a eu tort. Les codes fonciers là, il n'a qu'à les lire. Quand on n'est pas intelligent, on achète peut-être les diplômes. On commence à raconter du n'importe quoi. Lui, il veut m'arracher la maison, moi, Nakim. Lui, quoi, il sait ça, c'est un bougement. Là où il a arrêté les gens, il a arraché les diamants. Ça. Qu'en est-il maintenant? La situation maintenant, c'est comment? On va établir le titre à mon nom, la police va aller le chasser. Et puis ce n'est pas un problème. Moi, j'ai déjà gagné. La police va aller le chasser, bien sûr, puisque le chef de l'État prône un état de droit et c'est votre souci aussi. Quels mots pourriez-vous lancer aux autorités compétentes par rapport à la finalité de ces projets? Les autorités compétentes ont déjà réglé les problèmes. Le chef de l'État, il est le garant des institutions. Lui aussi, le chef d'État doit respecter l'article 149 de la Constitution. Les arrêts, les jugements sont rendus au nom du peuple. Mais l'exécution se fait au nom du président de la République. Donc il doit appuyer l'exécution pour que les Ngweka Sanji puissent partir. Parce que si le chef de l'État n'appuie pas ça, il tombe dans l'infraction de refuser l'application de l'article 149 de la Constitution. La loi lui confère ses pouvoirs d'exécuter ou qu'on exécute les décisions judiciaires à son nom. Nous avons des décisions judiciaires, nous restituons les maisons. Ngweka Sanji n'a aucun droit, on doit envoyer la police déjà pour les chasser de là. Merci beaucoup. Merci, monsieur le président. Je n'y comprends rien. Donc mes affaires sont dehors sans que j'aie
été notifié d'une décision judiciaire que je viens de voir. Je viens de voir un document venant de TGI maintenant même. Moi, je dispose des titres de propriété de cette parcelle depuis 2013, que j'ai acheté auprès de M. Keller. M. Keller, un sujet juif, lui aussi avait acheté cette parcelle depuis 2001. Et il n'avait jamais été en procès avec quelqu'un jusqu'au moment où je l'ai acheté. Cette maison, c'est moi qui l'ai construite. Donc depuis 2013, j'habite ici et je n'ai jamais été en procès avec M. Mokia jusqu'en 2018 où je vois certaines convocations. Je suis allé et j'ai eu raison, même pas devant Mokia. Il est prétend brandir le nom de certains Moututa, mais j'ai toutes les décisions de justice à ma faveur. En me déguerpissant indignement, donc mes affaires sont dehors, alors que je suis propriétaire, je détiens le certificat d'enregistrement que Moke n'a pas. Que Moke brandisse au moins un certificat d'enregistrement qu'il a en son nom. Et sur base de quoi on peut lui donner cette maison? Attends. Il m'est attribué d'avoir tenu des propos à l'endroit de la très distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. En tant que mère et enfant, j'ai beaucoup d'estime à l'endroit de ma propre mère ainsi qu'à toutes les mères du monde. Je ne peux pas manquer du respect à la très distinguée première dame. Si quelque part les propos auraient vexé la très distinguée première dame, pour qui j'ai beaucoup d'estime et respect, pour preuve, mon compte Facebook. Je lui demande sincèrement pardon. L'éducation précise de mes parents ainsi que ma religion chrétienne ne me permettent pas de tenir des propos désobligeants à l'endroit des parents. Chers parents, veuillez me pardonner. Un, deux, trois. C'est parti, au noir. Je suis honorable Christelle Bukumba Bungwe Kasanji. Je viens en ce jour présenter mes sincères excuses à la première dame de la République démocratique du Congo, maman Denise Nyakeru Tshisekedi Tshilombo. Ces propos que j'ai tenus hier sur l'avenue Roi Baudouin dans la cour familiale de mon père, Alphonse Ngoué Kassangi, ont été dit sous le choc, l'émotion suite à la base de l'humiliation que mon père a vécu hier dans sa parcelle de Roi Baudouin. Maman Denise, je vous parle au cœur ouvert. J'aimerais que tu me pardonnes sincèrement et que tu me prennes comme ta fille. Je demande aussi pardon, mes sincères excuses à toutes les mamans de la RDC. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Nabanzi Bolandi du solo Nenge Zalaki, du solo député national Nabiso, Bolandi Ango bien, Ndenge le kine bandeli, ndenge bakote liye, barbazui, nani, bazuye biloko, balobifad mandaka tikandaka batu, ngoi, kasanji. Alphonse Ngoué Kassangi, akoloba bumoyo kindenga lobi, boyo kipe kolonda ku ndenga lobi, boyo kipe ndenge mwaso ndenga fingaki, bo mwenye pende akote baboteli biloko, bo lobi nini, bo tchena komante, foto sula ka makama mboka. Po Kongo, e la biso kene di boso, makama bwende fwe salima. Ba onyo suba iba bandaku ba mouvasi, wane fwa boto wa bandaku, ba iba bandaku abatu, fwa boto la, natanga mobutu. Natanga kabile pepe ebe bandako abatifu aboto la bazo kusaba kolonda kuna bango. Tusuki bolandi bino moko bo tchaba commentaire bolinga bo partager ezawa bino mama Ariel Kilimbu Shembo TV masolo eza kitoko masolo eza bo boko tokoto bo mi abonné toujours dans ma chaîne ngape na komi abonné na ya bino soki akonya to sama e change wana tukusala. Ok, bye ezawa bino molobi Ariel Kilimbu Shembo TV masolo ezawa. Ma soleza kitoko. Okay.